Pour chanter les louanges de notre Seigneur. Nous allons encore célébrer son saint nom. Nous allons encore célébrer le Dieu merveilleux qu'il est pour nous. À travers ce cantique merveilleux, oui, c'est lui qui nous a fait, c'est lui qui nous a créés pour l'adorer, pour le louer. Oui, pour l'élever, pour magnifier son nom. Et encore ensemble, bien-aimé de Dieu, tu vas élever encore la voix pour chanter ce cantique avec nous. Oui, pour chanter ce cantique d'allégresse à notre Dieu, le Seigneur, les Seigneurs. Oui, car c'est lui qui vous a fait. Dans l'allégresse, chantons ses louanges, car c'est lui qui vous a fait. Dans l'allégresse, chantons ses louanges. Venez inclinez-vous, prosternez-vous devant le Seigneur. Venez inclinez-vous, prosternez-vous devant le Seigneur. Venez inclinez-vous. Prosternez-vous devant le Seigneur, venez inclinez-vous. Prosternez-vous devant le Seigneur, venez inclinez-vous.
toi, Seigneur, ce soir. Chers intercesseurs, ce soir, nous sommes dans la présence du Seigneur. Nous allons nous incliner encore ce soir, comme le chant nous le dit. Nous allons nous prosterner ce soir devant sa majesté, parce que lui seul est digne de recevoir cette louange, cette adoration. Intercesseur, c'est celui-là même qui sait se tenir dans la présence du Seigneur. Intercesseur, c'est celui-là même qui sait porter sa nation devant le Christ. C'est pour ça que ce soir, nous sommes encore réunis avec nos chants. Mais avant de rentrer dans cette présence, nous allons l'élever, nous allons continuer. Nous allons continuer dans ce passage de Genèse 32, 24 à 32, que nous sommes en train d'étudier depuis près de un mois, sur lequel le berger nous a parlé sur la persévérance de Jacob. Ce soir, je vais souligner la persévérance de Jacob. Ce soir, je vais t'amener à voir avec moi cette persévérance que Jacob a eue devant ses combats. Il n'a pas regardé à ses limites. Il ne s'est pas arrêté parce qu'il y avait un ange qui se battait avec lui. Il s'est laissé jusqu'à la fin. Il a utilisé toutes ses forces. Comme toi et moi, nous sommes face à une situation aujourd'hui. Cette situation de pandémie qui sévit le monde. Oui, nous allons relever ce caractère de persévérance que Jacob avait. C'est dans cette optique que ce soir nous allons prier. Nous allons prier ce soir. Nous allons parler à toutes les situations qui sont devant nous, qui résistent dans nos vies encore ce soir. Comme Jacob, nous allons nous battre jusqu'à la dernière minute parce que nous savons que nous avons déjà la victoire. Si nous voyons dans Genèse 32, versets 25 à 26, que je vais demander au frère Jonas de nous lire et à la sœur Danielle, nous allons voir ce caractère que Jacob avait. Genèse chapitre 32, versets 25 à 26. Et Jacob resta seul. Alors, quelqu'un lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, il toucha l'articulation de la hanche et l'articulation de la hanche de Jacob se luxa pendant qu'il luttait avec lui. Parole de Dieu Tout-Puissant. Genesis 34, chapter 25 to 26. When the men saw that he was not winning the struggle, he hit Jacob on the hip, and he was thrown out of joint. The man said, "Let me go. Daylight is coming. I won't unless you bless me," Jacob answered. The word of the Lord. Nous rendons grâce à Dieu. Ce soir, nous allons nous laisser utiliser. Nous allons utiliser nos forces ce soir. La puissance que Dieu nous a donnée. Dans la parole, nous voyons dans Luc 10, 19, le Seigneur nous dit, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et toutes les puissances des ténèbres. Et rien ne pourra nous nuire. Et sur la base de cette parole ce soir, nous allons parler à toute situation qui peut s'opposer à ce temps. Nous allons prendre autorité comme intercesseur ce soir. Nous allons prier, nous allons porter notre monde devant le trône de grâce ce soir. Nous allons parler à la pandémie. Nous allons parler au chômage. Nous allons parler à la maladie. Nous allons parler à tout ce qui angoisse, tout ce qui peut nous stresser. C'est sur toutes ces situations ce soir que je vais t'inviter à parler. C'est pour ça que je vais nous inviter maintenant à élever la voix, à parler à toutes ces situations. Que toutes ces situations se taisent comme Jacob l'a fait.
Comme nous le savons, la Bible nous dit dans Proverbe 21, verset 1, que le cœur des rois est un courant d'eau dans la main de l'Éternel. Il l'incline partout où il veut. Frère intercesseur, sœur intercesseur, ce soir, je vais t'inviter encore pour élever la voix, prier. Pour porter toutes nos nations, nous allons prier pour nos autorités ce soir. Nous allons les confier à la grâce de Dieu. Nous allons demander à l'Esprit de Dieu de toucher leur cœur pour les meilleures décisions. Tous ceux qui prennent les décisions pour gouverner ce monde, nous allons élever la voix ce soir pour les porter devant le trône de grâce. Nous allons prier pour nos dirigeants politiques. Nous allons prier pour ceux qui sont dans les laboratoires, qui décident du sort de ce monde. Tous ceux qui, dans les gouvernements, décident du sort de ce monde, ce soir, tu vas les porter encore devant le trône de grâce. Élève la voix et prie maintenant pour nos nations, pour nos dirigeants. Seigneur Père éternel et tout-puissant, nous te confions, dirigeants du monde entier, au Seigneur, que la puissance de ton sang les rejoigne, que la puissance de ton esprit les remplace, Seigneur, afin qu'ils aient à cœur, Seigneur, la vie. Mais, au Seigneur, oui, incline le cœur des dirigeants du monde entier, afin qu'ils aient le souci du peuple qu'ils dirigent, au Seigneur. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous confions pour les hommes et les femmes du monde entier. Nous avons besoin de toi aussi. Nous savons que nous avons choisi. Nous avons besoin de toi aussi. 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 Nous avons besoin de
Seigneur, à l'écart de ce soir, nous implorons ta grâce. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Manifeste ta gloire dans chacune des vies, au Seigneur. Que ce soit ta voix seule, Seigneur, que tu mets. Et le cœur, selon ton plan. Seigneur, nous avons besoin de toi, Seigneur. Oh Seigneur, localise chacun de nous. Oh Seigneur, touche le cœur, Seigneur, que la puissance de ton esprit. Décision soit inspirée de l'esprit des anges. Que les anges, au Seigneur, 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 que les anges, le peuple qui est à l'égard de tout ce qui ne confesse pas pour nous, au nom du Seigneur Jésus. Intercesseur, ce soir, tu vas prier encore avec moi. Ce soir, nous allons exercer notre ministère d'intercession. Oui, c'est nous qui portons devant le trône de grâce ce monde. Ce soir, tu vas porter tous les maux de ce monde devant lui. Nous allons prier encore pour tous ces malades qui sont dans les hôpitaux. Nous allons les confier à la grâce, à la miséricorde de Dieu. Nous allons demander au sang de Jésus qui a coulé sur la croix de les visiter. Nous allons demander au sang de Jésus, comme la parole nous le dit dans 1 Pierre 1, 18 à 21, que nous allons écouter. Nous allons écouter la parole de 1 Pierre 1, 18 à 21. 1 Pierre 1, versets 18 à 21. Par lui, vous croyez en Dieu qui l'a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance repose sur Dieu. Parole de Dieu Tout-Puissant. 1 Peter 1, chapter, verse 18 to 21. For you know what was paid to set you free from the worthless manner of life handed down by your ancestors. It was not something that can be destroyed, such as silver or gold. It was the costly sacrifice of Christ, who was like a lamb without defect or flaw. He has been chosen by God before the creation of the world and was revealed in these last days for our sake. Through him, you believe in God, who raised him from the dead and gave him glory. And so your faith and hope are fixed on God, the word of the Lord. Rendons grâce à Dieu. Bien-aimés, nous voyons que la parole nous dit que le sang de Jésus n'est pas périssable, n'est pas corruptible. C'est par ce sang précieux que toi et moi, nous avons été rachetés. C'est par ce sang que toi et moi, nous avons été guéris. C'est par ce sang que nous pouvons avoir l'espoir, que nous pouvons dire que nous avons la paix. Ce soir, tu vas invoquer le sang de Jésus dans le corps de tous ces malades qui sont dans les hôpitaux. Tu vas invoquer le sang de Jésus dans tous ces laboratoires, sur tous ces vaccins. Tu vas invoquer le sang de Jésus sur tous ces médicaments qu'on nous donne pour faire les traitements. Tu vas élever la voix avec moi ce soir pour invoquer le sang de Jésus, afin que ce sang nous apporte la guérison au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur Jésus, aujourd'hui nous invoquons la puissance de ton sang. Rejoins tous les hôpitaux. Nous invoquons la puissance de ton sang, Seigneur, sur la vie de toutes ces personnes malades, mourantes, souffrantes, ô Seigneur. Que la rejoigne toutes ces personnes malades. Ô Seigneur, envahisse toutes ces personnes qui souffrent. Ô Seigneur, protège toutes ces personnes dans l'agonie, toutes ces personnes qui sont seules, toutes ces personnes qui n'ont personne pour prier pour elles, Seigneur, nous te les confions. Nous invoquons la puissance de ton sang dans leur vie. Nous invoquons la puissance de ton sang. Ô Seigneur, localise toutes ces personnes-là malades, toutes ces personnes qui n'ont pas de moyens, ô Seigneur, pour se soigner, Seigneur, nous te les confions. Nous te confions ces personnes dans l'agonie, ô Seigneur, que la puissance de ton Seigneur localise dans leur laboratoire. Seigneur,
Seigneur, dans nos bons partenaires, que soit la vie de toutes ces personnes malades. Ô Seigneur, manifeste ta gloire dans la vie de tes enfants. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Sois béni, sois levé, sois magnifique. Bien-aimé, je vais t'inviter encore à invoquer le sang de Jésus dans l'air que tu respires, dans la nourriture que tu manges. Aujourd'hui, nous ne sommes plus sûrs de rien. On ne sait plus ce qu'on fait. Même les masques qu'on porte, on voit qu'il y a des conséquences derrière. Ce soir, nous allons invoquer le sang de Jésus encore. Dans tout ce que nous mangeons, dans l'air que nous respirons, afin que le sang de Jésus vienne neutraliser tout ce qui est virus, tout ce qui est anomalie dans toutes ces choses que nous consommons au nom de Jésus. Que ton air que tu respires même soit sanctifié. Invoque le sang de Jésus dans l'air. Invoque le sang de Jésus dans ton lieu de travail. Seigneur Jésus, pour la puissance de ton sang, Seigneur, dans notre environnement physique et spirituel. Ô Seigneur, que ton sang, Seigneur, nous guide, que ton sang, Seigneur, nous consomme, que ton sang, Seigneur, localise, tu sais, que nous consommons, Seigneur, tous les aliments que nous consommons. Purifie cette nourriture pour les voici, Seigneur, toutes ces places dans les supermarchés. Ô Seigneur, localise les dons de sang qui prennent la décision sur la nourriture que nous consommons. Ô Seigneur, purifie ces condiments, purifie ces aliments. Des maladies. Neutralise-les, Seigneur, dans la puissance de ton sang. Sois béni, Seigneur. Gloire, honneur et puissance à toi, Seigneur. Sois élevé, mon roi. Nous allons encore prier ce soir pour nous-mêmes intercesseurs. Nous allons demander que le Saint-Esprit nous sacre, afin que partout où nous serons, que nous soyons la porte, que nous soyons les yeux, les oreilles, la bouche de Dieu pour proclamer son évangile. Que partout où nous passons, que nous transportons l'onction de Dieu, la gloire de Dieu, parce que nous voyons que actuellement tout va mal. Le monde va à la fin. On nous annonce les fins des temps. Le Jésus revient. Il est sur le chemin, il arrive. Mais le temps n'est pas loin. Mais il y en a qui pensent que c'est un amusement. Ce soir, tu vas intercéder encore pour le monde, pour la conversion des âmes. Tu vas prier que le Saint-Esprit te remplisse toi-même, afin que tu sois un témoignage dans ton milieu de vie. Élève la voix avec moi encore ce soir, au nom de Jésus. Seigneur Esprit Jésus, nous avons besoin de remplis-nous de ta présence. Seigneur, établis-moi, Seigneur, dans mon milieu de travail. Établis-moi dans ma famille, que je puisse porter ton évangile. Établis-moi, Seigneur, pour que je puisse annoncer l'évangile partout où je passe. Seigneur, que je puisse être rempli de ta présence, d'une onction, afin que partout où je passe, oh Yahweh, que je puisse porter ton évangile. Quand je pose les pieds, que ce soit ta gloire, Seigneur, qui se transporte avec moi. Seigneur, que par ma présence, les âmes, Seigneur, soient touchées. Je veux ce soir, Seigneur, te confier ce monde, oh Yahweh, là où les gens sont désespérés, là où les gens ne croient plus à l'évangile, Papa, ce soir, que par nos prières ce soir, tu souffres sur le monde, que par nos prières ce soir, tu rejoins le monde entier, que par nos prières, Seigneur, ce soir, tu souffles, Seigneur, sur le monde pour une conversion. Seigneur, nous prions pour les cœurs, nous prions que tu suscites des âmes, que tu suscites des âmes, ceux qui n'ont jamais entendu parler de toi, Seigneur, que l'évangile leur parvienne, Seigneur, que ceux qui, dans nos milieux de travail, ont les cœurs endurcis, Seigneur, que leur cœur soit dilaté, qu'ils reçoivent l'évangile.
Seigneur, nous prions pour la conversion des âmes. Nous prions pour la conversion des âmes, même pour nous les chrétiens. Seigneur, nous voulons prier, Seigneur, ce soir, afin que nous quittons tout ce qui est amusement, que nous quittons tout ce qui est information, que nous puissions nous attacher à l'évangile, que nous puissions nous attacher à l'évangile, à tout ce que tu nous dis, à nous, que nous puissions nous attacher à l'évangile. Seigneur, souffle sur le monde. Sauve ton esprit 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 sur le monde. Tu nous as établi intercesseurs. Que chacun de nous, dans son pays, dans sa nation, dans son continent, où il se trouve actuellement, Seigneur, soit une lumière. Que nous soyons des étoiles. Que nous soyons cette lumière. Que les autres verront venir à toi, Jésus. Tu dis là où deux et trois sont rassemblés, Seigneur, tu es là. Que nos prières, Seigneur, ce soir, monte vers ton trône de grâce. Seigneur, nous sommes dans nos pots d'intercession ce soir. Nous te supplions, ta grâce. Nous implorons ta grâce, Papa. Nous implorons ta miséricorde. Nous implorons ta grâce. Nous implorons ta grâce sur le monde. Répands ton notion de conversion. Répands ton notion de conversion. Répands ton notion de au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, ce soir, pour notre dernier temps de prière, nous allons confier les autorités religieuses. Nous allons confier nos pasteurs, nos prêtres, nos bergers. Nous allons prier pour eux. Ceux-là même qui ont été appelés pour conduire le peuple. Nous allons prier pour eux. Que le Seigneur leur donne une inspiration. Que le Saint-Esprit les éclaire. Qu'ils puissent nous mener jusqu'au bout. Que l'église ne soit pas un lieu vide, même si nous ne pouvons pas aller à l'église, mais que cet évangile soit toujours proclamé. Nous avons prié pour tous ceux qui ont quitté l'église aussi, à cause des frustrations, à cause des attitudes. Nous allons demander que la grâce de Dieu les ramène, que la grâce de Dieu soit sur nos dirigeants religieux au nom de Jésus. Seigneur, ce soir, je viens Seigneur, nous voulons te confier toutes les autorités spirituelles au Seigneur, que tu mets à notre place. Tu connais leur cœur, Seigneur, nous te confions leur vie, nous te confions leur cœur, nous te confions au Seigneur leur ministère, manifeste ta gloire dans leur vie. Protège-les, au Seigneur, de tout ce qui est sandale, de tout ce qui est mépris, de tout ce qui est blocage, au Seigneur, pour la gloire de leur nom. Nous te les confions, Seigneur, prêtres, religieux, religieuses, laïcs, ces personnes-là, appelées, ces personnes-là, au Seigneur, qui ne soient pas des objets, des instruments de perdition, nous te confions leur ministère, au Seigneur, pour nous rassembler. Protège-les, au Seigneur, de tout ce qui est scandale, de tout ce qui est mépris, de tout ce qui est, au Seigneur, au Seigneur, de tout ce qui peut nuire à leur appel, de tout ce qui peut nuire, au Seigneur, à leur ministère. Prends pitié, que nous soyons un autour de toi, Jésus-Christ, après ton arrivée. Toutes ces personnes frustrées, au Seigneur, par la religion, Seigneur, guéris leur âme. Guéris leur cœur, au Seigneur, toi, médecin par excellence, au Seigneur, guéris-les, guéris-les, au Seigneur, remplis-les de ton amour, remplis-les, au Seigneur, de ton esprit, guéris-les, au Seigneur, libère-les de tout ce qui est mépris, de tout ce qui est mépris, de tout ce qui est manque de pardon, au Seigneur, touche-les, localise-les et manifeste ta gloire dans leur vie. Seigneur, nous te confions les autorités spirituelles, protège-les, Seigneur, pour la gloire de ton nom, garde-les, Seigneur, contre tout danger, contre tout mal, au Seigneur, propager ton évangile, afin qu'ils puissent, au Seigneur, être, au Seigneur, des porteurs de ceux qui sont malmenés par les forces des ténèbres, au Seigneur, qui ont tendance à chercher ailleurs, Seigneur, pitié, Seigneur, de tes élus, manifeste ta gloire dans chacune de leurs vies, sois béni, Seigneur, sois élevé, sois magnifique, Seigneur, tout ce que tu fais pour tes enfants, au Seigneur.
Seigneur, ta miséricorde, nous te glorifions, nous te magnifions, ta miséricorde, Seigneur, pour tout ce que tu fais pour ton peuple, pour tout ce que tu fais pour tes enfants, Seigneur. Béni sois-tu, Père de Dieu Tout-Puissant, béni sois-tu, Seigneur. L'enfant dans la perdition, Père. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci. Comme le psalmiste nous le dit dans le psaume 51, Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche publiera ta louange. Ce soir, nation de grâce, nous allons louer Dieu. Nous allons l'élever par nos louanges, par notre adoration. Nous allons faire descendre son trône parmi nous. Que le ciel se rallie à la terre ce soir avec nous. Nous allons l'adorer comme nous ne l'avons jamais adoré. Souvent, nous venons, nous demandons ce soir. Mais nous demandons seulement, mais ce soir nous allons l'adorer pour lui dire qu'il est le roi. Nous allons lui donner la place du roi, la place du créateur. Il est le président des présidents, il est le roi des rois. Au-dessus de lui, il n'y a personne, parce qu'il était là au commencement. Il sera là jusqu'à la fin. La Bible nous dit qu'il est l'alpha et l'oméga. Il est le commencement et la fin de toutes choses. Par ton adoration ce soir, dis-lui qu'il est tout pour toi. Par ton adoration ce soir, dis-lui qu'il est le maître de ce monde. Par ton adoration ce soir, dis-lui qu'il tient le monde dans sa main. Il suffit d'une seconde pour que tout disparaisse. Donne-lui la place du roi ce soir. Seigneur, tu es mon roi. Je veux t'adorer ce soir avec mes frères et sœurs. Seigneur, ta volonté, ta sainteté. Tu veux encore élever ta sainteté. Je veux t'offrir, Seigneur, Seigneur, ce soir, la seule chose que je désire, c'est de te t'adorer, c'est de te louer, Seigneur. Oui, je veux m'arrêter un moment pour te louer, pour t'adorer, pour te donner le règne ce soir. Sois adoré, Seigneur, ce soir. Nous allons adorer Dieu ce soir avec nos chants. Dans la chambre des saints, assoiffé je me tiens, que ton nom descend sur moi. Que pendant ton Seigneur, les gens sur moi, que ton nom descend. Dans la chambre des saints, assoiffé je me tiens, que ton nom descend sur moi. Que ton conscience descend sur les intercesseurs. Consciente que mon destin est dans le creux de tes mains, que ton nom dans l'assemblée des saints, dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton nom descend sur moi. Consciente que mon destin, consciente que mon destin est dans l'œuvre de tes mains. Que ton nom descend sur moi dans l'assemblée des saints, dans l'assemblée des saints. Assoiffé je me tiens, que ton nom descend sur moi. Consciente, Seigneur, consciente que mon destin et dans l'œuvre de tes mains, que ton nom descend sur moi. Mais Seigneur, je viens ce soir entrer, Seigneur, dans ton lieu saint, dans tes parties, mon Dieu, là où mon âme se sent en paix, Seigneur.
que ta présence descende sur nous. Conscient que mon destin est dans l'œuvre de tes mains, je commence sur mon destin, sur moi. Dans l'assemblée des saints, à toi, que ton nom s'en est pour moi. Consciente que mon destin est dans le chemin. Merci Seigneur. Que ton nom s'en est pour moi. Merci Seigneur. Le Seigneur dit à Gilbert, sur nous, Seigneur, ce soir. Le Seigneur dit à Gilbert, ne change pas de regard. La direction dans laquelle tu te tiens est la bonne. Seigneur te dit, mon cher Gilbert, ne change pas de direction. Et cette même parole s'adresse à Matthieu. À toi aussi, le Seigneur te dit ce soir, sache que la puissance de l'adoration ouvrira les barreaux de ta prison. Matthieu, tu vis une situation difficile en ce moment même. Tu ne sais plus sous quel saint te vouer, mais je vois un ange qui pose sa main sur toi. Et je bénis le Seigneur pour ta vie, Matthieu. Le Seigneur dit, la joie à venir, il va pleuvoir. Et tout ce qui est obstacle sur ton chemin va disparaître. Parce que lui, Dieu, il te devance en chemin. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Je suis disposé à soigner que ton nom si on descend sur moi. Je suis disposé descend sur ton peuple ce soir. Le Seigneur me donne de voir plusieurs bateaux et plusieurs personnes habillées en vêtements militaires en train de pagayer dans ce bateau et remontent une rivière ou un fleuve pour atteindre un territoire bien précis. Et ces soldats sont armés jusqu'aux dents. Et le Seigneur dit, j'ai donné des directives à mes anges afin qu'ils combattent pour vous et qu'ils combattent pour ma nation. Le Seigneur dit, je leur ai donné de passer par des voies, les voies minées par les forces du mal, afin de les neutraliser avant d'atteindre le territoire. Le Seigneur dit, par mon bras fort, tu atteindras le sommet malgré les calamités, malgré le vent, la pluie, tu atteindras ce territoire que je t'ai fixé.
Raintina laukira sko laukima uskai alaiskinte rente laukima uskant harika uskai ashkima uske ramus kama uska hinala kina laskunza irabokonda sha harauskai ilauskiri orikas umaskunt harikaus haikirebos haikais rente lekos haikash ret hai haikosta harant irash. Je combattrai pour toi, mon enfant, te dit l'Éternel des armées. Je combattrai pour toi, mon enfant, te dit l'Éternel des armées. Tu n'es pas seul dans ce combat. Tu n'es pas seul dans ce combat. Seigneur dit, tu as l'impression que les choses ne bougent pas, mais tu avances. Je suis avec toi. Ma victoire est certaine, te dit le Seigneur. Et pendant que je parle, je vois une dame en train de pleurer. Et son nom est Madeleine. Il y a une Madeleine qui est à genoux et qui est en train de pleurer. L'Esprit de Dieu te dit ceci, je viens sécher non seulement tes larmes, mais l'heure du triomphe a sonné dans ta vie. Et le Seigneur dit, si tu crois, tu verras ma gloire. Merci Seigneur. Raus kimaus kai alai kimaus ke rais konta rau kaba alai kimaus renta o kimaus ilakina alai kina shendika usko ilakimaus konti alakinda rai kaba alakomba rebaus kai rerere rikantora rakunza katara rabas punta alai alai ikash ren alakske rasko rabas. Ils affluent partout vos ennemis parce qu'ils ont vu que leurs heures sont comptées, leurs jours sont comptés, que leur nombre ne vous effraie pas, que l'adversité ne vous fasse pas reculer devant ma gloire. Je triomphe aujourd'hui, j'ai triomphé hier et je triomphe éternellement. Je triomphe avec vous. Et je bénis le Seigneur. Rikauska, laikir, zontir, raik, raukara, shahika, skir, ribasko, raikai, shki, renta, laiki, isko, ila, shte, irakunza. Rauda ila rabaus renda la iskash rikaus raus rembaus ribaus rikaus rai lai lai aikos harash ais onda ais ren aikesh. Le Seigneur dit, je me tiens sur le trône et sur mon trône pour ta cause. Et plusieurs personnes aux prises avec les forces mauvaises, les forces diaboliques oppressées, ce soit à travers ce temps de louange, vont être libres. Et je vois comme plusieurs personnes qui ont fait de grandes marches, ou je ne sais pas où, qui ont fait des activités, je ne les ai pas vues marcher, mais je les vois en train de transpirer. Et je vois quelqu'un qui est sur leur visage. Le Seigneur dit ce soir, je viens non seulement consoler ton cœur, mais je viens te défendre. Et je viens te défendre corps, âme et esprit, car je suis là pour te sauver et sauver, te sauver entièrement, te dit le Seigneur. Raukabas kunta ilakuras kai rabaus kinta laikina laiche mazutai abas kunta ika raukaba shent ina masko ra le reika uske ina aisko tika lika ra isko rika ikas kunta ika ikas kora shent raukabas rebas maskura shanta ika rasko rabashant. Maintenant, dit le Seigneur, allons, montons à Sion, montons à Jérusalem, allons pour ma gloire.
à travers ce temps de louange, te dit le Seigneur. Seigneur, nous t'adorons encore ce soir. Nous allons t'adorer encore ce soir avec nos chants. Te bénissons, Seigneur, pour tout ce que tu fais dans nos vies. Qui a les paroles de la vie, Jésus. C'est toi qui as les paroles qui libèrent, Seigneur. C'est toi qui as les paroles, Seigneur, qui restaure. Libère, et ce soir, nous venons encore, Seigneur. Nous venons encore demeurer dans ta parole, Papa.
À travers ce temps, Yahweh, nous venons encore demeurer en ta présence, Seigneur. Parce que c'est dans ta présence que nous avons la paix, Seigneur. C'est dans ta présence que nous avons l'assurance, Seigneur. C'est dans ta présence que nous sommes libérés de tous les fardeaux dans nos vies, mon Dieu, mon roi. Oui, ce soir, papa, je viens encore en ta présence. Voilà pourquoi je chante à qui irons-nous, Seigneur. À qui irons-nous, Seigneur? À qui irons-nous, Seigneur? Dieu maîtrisant, acquérions-nous, papa. Papa, acquérions-nous, Adonai, acquérions-nous, nous sommes là ce soir, parce que nous comptons sur toi seul. Seigneur, nous n'avons personne pour nous jeter dans la piscine, pour nous guérir, nous n'avons personne. Seigneur, comme baptisé sur ce chemin, nous n'avons personne, Seigneur. Seigneur, comme cette femme qui saignait, Seigneur, depuis 12 ans, nous n'avons personne pour nous guérir. À qui irions-nous? Nous n'avons personne, Seigneur, pour nous sauver, Seigneur. Pour nous délivrer de toutes ces forces, de toutes ces manigances. Seigneur, nous n'avons personne à part toi. Seigneur, nous sommes dans ta présence. À qui irions-nous, Yahweh? À qui irions-nous, tous ces intercesseurs comptent sur toi, papa. C'est toi le Dieu de Pierre, c'est toi le Dieu de Paul, et c'est toi le Dieu de Marc, tu es le Dieu de Jeanne, le Dieu de Pauline, le Dieu d'Antoine, tu es le Dieu de Rose, le Dieu d'Aline, le Dieu de Jacques, tu es le Dieu d'Anthony, de Martine, d'Olivier. Et ce soir, je veux te dire merci. Je veux te rendre toute la gloire pour ton amour sans limite pour nous. La Bible dit Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit en lui vive éternellement. Et ce soir, nous entrons dans la vie. Nous n'avons pas une autre personne pour nous sauver que toi. Et comme Pierre, nous venons à toi, Seigneur, et nous nous couvrons, Seigneur, dans ta présence. Ce soir, nous nous cachons devant toi. Paul dit, quand j'étais au milieu de vous, je n'ai pas cherché des discours persuasifs. Je me suis caché sous la parole. Ce soir, nous nous cachons derrière toi, parole de vie. Nous nous cachons derrière toi, Jésus. Nous nous cachons derrière toi avec tout ce que nous sommes. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Raika ikiribo saika tauta uskara shentika yabasonta. Mauskinta la brakura basunta kayaba shekerebo sante. Lauka bauskimba uskiri kaikinda la bakura bash. Lauka baure bo shente remba uska mauzaika ikiri kauska ikiri osai kebosh
Mazoi kai kura bauskai, amaus kinda rau kira basunta rebash. Shanti kiri kauskai ramauskai inalai alai kiri asonti amai sky inalai ilai kura skunta arabau andalai kai skunt rimaus harikaus rintaus kiri olasko laiko elaske rembaus ais 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 kon hash harat retai kash Ouvrez vos cœurs, dit le Seigneur. Le Seigneur dit à plusieurs, ouvrez vos cœurs, ouvrez vos cœurs, ouvrez vos cœurs. Et tout à l'heure, la prophétie montrait trois personnes. Il y a parmi ces trois personnes, une personne, une dame qui a été jetée dehors par son mari. Et le Seigneur dit, la situation extrême dans laquelle vous vous trouvez, je viens intervenir pour vous. Quelque chose va se passer pour tous les trois. Le Seigneur dit, attachez-vous à moi. Et le Seigneur interpelle ceux et celles qui ne sont pas encore descendus dans la fontaine. Le Seigneur dit, descendez. Ouvrez vos cœurs ce soir, dit le Seigneur. Seigneur, je viens ouvrir mon cœur. Je t'ouvre la porte de mon cœur afin que ta présence me transporte dans le haut lieu spirituel. Je veux t'adorer de toutes mes forces, Seigneur, de tout mon être et de tout mon esprit. Béni sois-tu, Seigneur. Rekai kari kauskari kauskai kiri kauskai kiri basunta. Mazai kiri kauskiri boshai kabanskunte renta. Rekauskai tindere tere laif orash arabas. Mauskai arabasko rekai shai rentail alai kibaus alau kibaus rekaus rekaus rekash ras. Paul, Marius, Émilie, Fontaine, Lavriche, le Seigneur dit, chaque nom, chaque personne qui a été nommée recevra une visitation. Je ne sais pas quel genre de visitation, mais mon esprit, dit le Seigneur, vous visitera. Mais, dit le Seigneur, le combat dans lequel vous êtes engagé est un combat qui peut être mené que par l'esprit. Et c'est en esprit que je veux vous aider à mener ce combat. Et je bénis le Seigneur. Le Seigneur me montre l'image d'un enfant tout naïf qui est dans un champ de bataille. Et bizarrement, là où l'enfant passe, tout tombe, sans que l'enfant ne lève un doigt. Ce n'est pas par ta puissance, dit le Seigneur, mais c'est par ma puissance et par mon esprit. Le Seigneur revient encore pour dire, je combattrai pour toi. Merci, Seigneur. Rekai alauskinta remba aika aikobas rikaus aika rikaus kente reba lemosta ainala
maskunta rekais reles orais rauk aikos abaus rekais reza ras. Le Seigneur dit à Viviane, les Égyptiens que tu vois devant toi, tu ne les verras plus demain. Tu ne les verras plus demain. Car c'est moi l'Éternel qui combat pour toi, te dit le Seigneur. Merci, Seigneur. Je vois une personne amaigrie, une personne très malade, et c'est bizarre, c'est comme s'il y a une transfusion sanguine qui est faite à cette personne. Et je vois que cette personne commence à prendre la chair et est rétablie complètement. Je prie maintenant que l'Esprit Saint souffle des quatre coins, comme il a demandé à Ézéchiel de le faire, et que la vie entre dans tous ceux et celles qui sont imagés par cette parole, au nom de Jésus-Christ. J'appelle à la vie sur vous et j'appelle au miracle au nom de Jésus-Christ dans vos vies. Je m'aligne à cette prophétie. Merci Seigneur de donner la vie. Rai alai 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 bash alau alai bash alau ribaus alikai leke osa rai kons aiska shka rais abas kimaus harikaus Rikaus, 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 Ran, Sa, Rante, Reba, Shka, Rau, Ras. Le Seigneur nous invite à vraiment nous plonger dans son cœur. Il y a un torrent de bénédictions qui va se déployer sur nous à travers ce temps de prière. Et plusieurs ont commencé déjà à être bénis. Et je veux rendre vraiment gloire à Jésus pour sa fidélité. Merci Seigneur. Rimaus kai kai kiraus kai sky kiraus kirimos anda lai kai. Rimaus kirimos ai kambas kunta rau kabash renta lai. Renta lai alaus ka kirimos rimaus mas kai raus rita lai lai ska ska skonta hash. Le Seigneur s'adresse à une personne qui s'appelle Merveille. Ton nom est Merveille, ton vrai nom. Je ne suis pas sûr que tu es connecté par ton nom. Le Seigneur te dit, j'ai mené le combat pour toi toujours. Et le Seigneur te dit, le dernier assaut que je voudrais mener avec toi dans ce combat, qui est la victoire finale, va se passer en cette année 2021. Le Seigneur dit, j'ai vu tous les embuscades que tes ennemis ont placées, mais ils échoueront tous, te dit le Seigneur, car je marche avec toi. Et je bénis le Seigneur parce que cette personne a vécu une situation tellement difficile dans les trois dernières années qu'elle se dit, cette année 2021, elle ne sait pas qu'est-ce que le Seigneur lui réserve. Et elle est très craintive. Le Seigneur dit ce soir, je viens te rassurer.
Et en même temps que je donne cette parole, le Seigneur me montre 12 personnes qui sont comme en train de vouloir poser leurs mains sur une croix. Et le Seigneur dit, voyez, j'ai ouvert mon côté à Thomas afin qu'il puisse toucher. Le Seigneur dit, venez dans la foi à la source, vous abreuvez, car ce soir, je veux donner la vie. Et à ces 12 personnes, le Seigneur dit, l'eau coulera de mon cœur pour vous, sur vous. Et je bénis le Seigneur pour sa fidélité, Jésus, que l'eau coule, Seigneur, de ton cœur, l'eau vive, la source du livre de l'Apocalypse. Coule, Seigneur, en nous, afin que ce soit les intercesseurs et nos nations entières boivent, Seigneur, à notre siété, boivent, Seigneur, étanche nos soifs en toi, Jésus. Merci, Seigneur. Rembaus, Rauta, Schkende, Lai, Lauskai, Rembauskai, Stanteren, Talau, Kaikos, Raukauska, Lekais, Ora, Schkai, Rembauskintal, Laikunsa, Lauska, Schai, Rassons, Rakaskot, Rakaskat, Rekata, Rebas, Re, Eschka, Uskai, Ala, Lauska, Lauskirikas, Ras, Ras, Ras. Isaac, Richard, Manuel, Yvette, Alric, Paul M. Je vois Paul M. Marie et Élise. Le Seigneur dit, je vous appelle à poser vos pieds dans la deuxième marche de votre vie spirituelle. Le Seigneur vous appelle à une vie mystique dans le Seigneur. Le Seigneur veut rehausser vos niveaux spirituels. Et toutes ces personnes, vous aurez une épreuve. Mais le Seigneur dit, je vous avertis afin que vous ne reboussez pas chemin. Cette épreuve viendra pour vous élever et vous serez élevé, dit le Seigneur. Je bénis le Seigneur pour sa fidélité. Le Seigneur dit que notre monde est attaqué. Notre monde est attaqué. Le Seigneur dit, je veux des guetteurs, des hommes et des femmes éveillés qui ont compris. Qui ont compris. Et qui marchent dans la révélation. Je dis merci au Seigneur pour cela. Ce soir, laissons-nous vraiment entraîner dans ce temps d'adoration pour laisser le courant de l'Esprit nous mener là où Dieu veut nous mener. Que toute la gloire soit rendue à Jésus-Christ. Merci Seigneur. Jésus s'est levé, il s'est levé. Jésus s'est levé, il s'est levé. Mon Dieu s'est levé pour ma nation, il s'est levé.
levé. Il s'est levé. Jésus s'est levé. Il s'est levé. Pour ta destinée, oh Dieu, tu t'es levé. Oui, pour ta victoire, Dieu, il s'est levé. Pour ton élevation, il s'est levé. Oui, pour ton miracle, mon frère, il s'est levé. Jésus s'est levé. 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 Jésus s'est levé pour te donner la victoire. Il s'est levé. Tes sœurs, tu peux danser avec nous. Danser avec nous. Glorifie le nom de Dieu ce soir avec nous pour tous ses bienfaits. Tout ce qu'il nous a accordé comme grâce ce soir. Il s'est levé. Jésus s'est levé pour te donner la liberté. Parce qu'il s'est levé pour te donner la victoire. Il t'a donné la victoire ce soir. Il t'a donné la guérison ce soir. Il s'est levé. Jésus s'est levé. Il s'est levé. Oui, Jésus s'est levé. S'est levé. Il s'est levé, mon Dieu s'est levé. Tu t'es levé pour donner la paix à ma nation. Il s'est levé. Tu t'es levé pour donner la guérison à tous ces malades, Seigneur. Je veux me joindre à mes soeurs ce soir pour te dire merci. Parce que tu t'es levé, Seigneur, pour libérer tes enfants qui étaient attachés, opprimés. Seigneur, je te dis merci, Seigneur, ce soir, parce que tu t'es levé, Seigneur, pour donner un travail à quelqu'un. Parce que tu t'es levé, Seigneur, ce soir, pour rendre libre ceux qui étaient captifs. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu fais. Merci pour la victoire que tu m'as donnée ce soir. Merci de nous avoir positionnés encore ce soir comme un enfant de Dieu. Je veux danser, Seigneur, comme les anges qui dansent actuellement. Je veux louer, Seigneur, avec mes soeurs ce soir. Parce que rien ne pourra me retenir, Seigneur. Parce que tu es bon pour moi, tu es bon pour mes soeurs, tu es bon pour mes frères. Tu t'es levé, Seigneur. Tu t'es levé. 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 Jésus s'est levé pour la guérison. Il s'est levé. Jésus s'est levé pour l'église en histoire. Il s'est levé. Mon Dieu s'est levé. Il s'est levé. Où se chétit là? Il s'est levé. Merci Seigneur de te lever pour chacun de nous, Seigneur. Merci. Tu t'es levé, tu t'es levé, tu t'es levé.
levé. Tu t'es levé, j'aime l'enlever. Tu t'es levé. Merci Seigneur de nous faire du bien encore ce soir. Merci pour ta présence, pour tout le bien que tu as déversé sur nous. Merci pour tout ce que tu as fait dans la vie de tout un chacun, pour la vie des intercesseurs, Seigneur, ce soir. Nous voulons te dire merci. Bien-aimé, tu vas élever la voix pour dire merci à Dieu pour, avec moi ce soir, pour ses bontés. Tu vas lui dire merci pour sa fidélité. Tu vas lui dire merci pour cet amour qu'il a pour nous. Tu vas lui dire merci pour la victoire qu'il t'a accordée ce soir. Tu vas lui dire merci pour la vie de tous les membres de ta famille. Tu vas lui dire merci pour ce ministère. Tu vas lui dire merci pour ceux qui vont se connecter après, qui vont recevoir les mêmes grâces que toi et moi. Seigneur, te disons merci. Merci Seigneur de m'avoir, d'avoir posé ton regard sur moi. Merci pour ce que tu as fait pour merci Seigneur. Merci pour ta fidélité. Béni sois-tu Seigneur. Merci pour tes bienfaits Seigneur. Nous te bénissons, nous te glorifions, nous te magnifions. Béni sois-tu Seigneur. Merci Seigneur pour ta fidélité. Nous te levons, magnifique, glorifié. Merci Seigneur pour ta fidélité. Béni sois-tu Seigneur. Seigneur Jésus, merci pour tes bontés. Merci. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Nous allons demander à la chante de nous donner un chant d'adoration qui va nous aider à rester dans cette mouvance dans l'esprit. Et on va se retrouver le samedi pour le direct de samedi. Mais avant de partir, nous allons adorer Dieu, signe de reconnaissance encore ce soir. Amen. Seigneur mon Dieu, nous voulons encore proclamer ta présence, Seigneur, et te dire merci, Seigneur, pour ce temps merveilleux que tu nous as consacré. Yahweh, nous voulons encore t'élever. Nous voulons élever Yahweh. Nous voulons magnifier Yahweh. Nous voulons bénir Yahweh à travers ce cantique simple. Je t'aime, je t'aime, et j'adore.
Oui, je t'aime, je t'aime. Par un ton nom, Dieu de l'univers visible et invisible, je t'aime. Oui, je t'aime. Lorsque je regarde ma création, papa, je suis effacé. Je t'aime, oui, je t'aime. Il n'y a pas ton pareil, Yahweh. Voilà pourquoi je chante Alléluia, Yahweh. Je t'aime, je t'aime. Jésus, je t'aime, je t'aime. Yahweh, je t'aime, je t'aime. Jésus, je t'aime. Je t'aime, je t'aime. Pour tes miracles endormis, on t'aime. Pour ta présence, Seigneur, oui, on t'aime. Pour la guérison, papa, on t'aime. Pour ton sacrifice à la croix, on t'aime. Oui, on t'aime. Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime, oui, je t'aime. Jésus, je t'aime, oui, je t'aime. Adonai, je t'aime, oui, je t'aime. Je lève tes mains vers les cieux pour t'adorer. Je t'aime. Tu es Seigneur, je t'aime, oui, je t'aime. Jésus, je t'aime, oui, je t'aime. Jésus, je t'aime, oui, je t'aime. Oh Dieu de gloire, Jésus, je t'aime, oui, je t'aime. Je t'aime, oui, je t'aime. Seigneur, nous te bénissons, tant de grâce, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ce cœur d'amour que tu nous donnes en ce jour. Merci, Seigneur. Pour ton amour qui nous endurcit et qui nous rend pur, Seigneur. La gloire te revient. Gloire à toi, Seigneur. Magnificence à toi, Seigneur. Merci, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Toi, l'unique. Toi qui mérites la louange, l'adoration, reçois notre adoration ce soir, reçois l'honneur ce soir, béni sois-tu Seigneur. Amen, amen, amen. Bien-aimés intercesseurs, nous sommes au thème de notre temps d'aujourd'hui. Nous allons nous séparer tout en vous laissant sous la couverture du sang de Jésus-Christ de Nazareth. Que le sang de Jésus vous protège, protège vos maisons. Que le sang de Jésus couvre vos biens, tout ce qui vous appartient. Et on se donne encore rendez-vous samedi pour notre espace arène de guérison. Shalom, shalom, shalom. Shalom. Soyez bénis. Shalom.